Alors, il est vrai que je suis sûr que dans la salle, il y a des magiciens confirmés, et je suis sûr qu'il y en a qui ont des talents de magiciens sans le savoir. Bon, écoute, tiens, lui, il est bien, lui. Vous n'êtes pas magicien, vous? Si? Non, alors j'en veux pas. Enfin, il n'y a pas une tête de magicien, lui, si. Ils sont tous magiciens, je crois pas. Oh non, ta fille, une femme. Vous n'en voyez jamais un. Regard furtif. Il ne voit pas. Alors, dire non, moi, je suis pas magicien, mais je vais pas. Donnez-la, cher ami. Dans ton prénom? Joseph. Joseph, allez-y. Deux applaudissements pour notre ami Joseph. Joseph, montez sur scène sous les applaudissements de la foule en délire. Alors, Joseph, je vais vous nommer. Vous auriez pu mettre une micro pour lui. Je vais vous nommer magicien. Point de magicien, oui, on va vous mettre un costume un petit peu plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si jeune à la retraite, c'est que maintenant on travaille jusqu'à 75 ans. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite? Coiffeur. D'accord. Un beau métier, coiffeur. Ok. Lui, il n'a plus besoin, par contre. C'est un mauvais client avec lui. Donc, je vais vous nommer magicien, pardon, je passe devant vous. Et je vais avoir besoin de quelques accessoires. Ah ouais, non, bon, non, je... Non, non, viens, 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 viens. Ouais. Allez. Pardon, Joseph. Faut mettre un petit costume un petit peu saillant, hein. Voilà. Allez, je laisse un petit peu. Ça va mieux, hein. Vous êtes venu seul accompagné? Oui, épouse. Elle est où? Ben, ça, d'accord, vous pouvez aller, elle a perdu. D'accord, vous voulez préférer comment vous? Une blonde, grande, petite? Normal. Normal. Attendez, je vais vous retrouver. Tiens, alors normal, elle. Venez-la. Votre prénom? Audrey. Audrey, je vous présente Joseph. Joseph Audrey. Non, pas encore, il y avait du boulot. Hein. Bon. Audrey, est-ce que vous savez jouer aux cartes? Non, c'est pas grave. Vous allez être le magicien de la soirée. Les chevaliers de tout à l'heure, je t'appelle un petit peu trop tôt, excuse-moi. C'est juste pour t'en de derrière. D'accord. Bon. Audrey. J'ai ici une carte, un jeu de cartes. Je mets l'encre. Prends l'air anglais. Génial. On me dit stop. Vous me dites stop quand vous le désirez. Bien, je reviens. Prenez la carte sur laquelle vous êtes arrêté. Vous ne regardez pas. Hein. Là, et Audrey, vous avez vu Martin tout à l'heure le faire. Ouais. Plier en place. Faites tourner les pieds qui sont au rang. Pas Martin. Mm-hmm.
faire un peu le bon parfait, on va faire un peu le bon. Bon, non, je vous ai peut-être dit pourquoi ça marche. Parce que normalement, c'est Valérie qui s'est numéro. C'est mon assistant. Non, je me reprends à l'assistant, je suis là, c'est la vie. Attention, le pin. 1, 2, 3, la vie. Hop là. Hop, et là, c'est la première. D'accord, bon, on va descendre le gars. Bon, il est trop tôt dans la Grande Illusion, j'ai envie d'être dans la Grande Illusion. Donc, dans la Grande Illusion, nous allons faire le fameux tour de la femme coupée en deux. Mais sans matériel. Sans matériel. Et ça aussi. Non, c'est bon. Ok, deux ficelles. Si vous pouvez mettre des bras comme ça, les bras, c'était les érotiques. Oui. C'est voilà, on est dans la grande émotion burlesque.